Bienvenue à notre émission La recette du chef. Aujourd'hui, le chef, elle va expliquer comment faire une crêpe. Oui, alors, ce n'est pas compliqué, mon frère. Oui, alors, d'abord, chef, pour faire des crêpes pour 6 personnes, de quoi on a besoin? Pour la pâte, on a besoin de la farine, du levure pour gâteau, 2 œufs, du lait et du beurre. Très bien, quoi d'autre? Et pour la farce, on a besoin du chocolat et du lait concentré. Très bien, et maintenant? Maintenant, on va mettre de la farine. On a besoin de 200 g pour les ingrédients. Alors. 2 œufs. Le lait. On met peu à peu. Petit peu, maintenant. Et le levure pour gâteau. Un petit peu, c'est une petite cuillère, pas beaucoup. Hein. On va faire comme ça, notre poêle. Puis, on met un peu de pâte. Et on laisse cuire jusqu'à 1 minute maximum. À cuire de l'autre côté, comme ça. On mange comme ça? Mais non, il faut l'enfarcer. Maintenant, on met un peu de chocolat, comme ça. Et on roule comme ça. Décoration, on met deux petits carrés de chocolat et puis on ajoute le lait concentré. Comme ça. Bon, et merci chef pour cette recette. Finalement, c'est pas très compliqué. Oui, bien sûr. Alors, c'était la recette de la crêpe. Je vous dis à demain, à ma même heure, pour la recette du tarte salée, tarte au poulet. Maintenant, nous passons à la dégustation de crêpes. Oui? Oui? Quel égal, c'est très délicieux. Le tout est mais très 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 délicieux. C'est caborté. Magnifique. C'est très délicieux, mais elle manque un peu de sucre. Non non non. Déjà le chocolat. Non. Je pense qu'ils n'ont pas mis du sucre. Oui, il faut. C'est pas bien de faire trop. Oui, c'est très. C'est vraiment délicieux.